Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors déjà, je vais vous emmener faire un petit tour en charcuterie. Petite balade, tranquillou bilou. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a été à Carrefour B2 pour moi. Je suis pas coiffée, hein. Youhou! Du coup, je vais vous montrer, je suis obligée. Voilà, re-rentrer à la maison. Il fait chaud. C'est la vie. Alors déjà,
À Gamberg, je me suis repris une gracilis, mais elle est quand même bien bien étoffée, parce que j'ai perdu l'autre. Donc on verra si celle-là survit, et sinon ben, j'arrêterai. Ensuite, à Carrefour B2. Donc la personne qui a été n'y connaît rien en plantes. On a fait un appel visio. Et de base, elle voulait m'en prendre qu'une seule. J'ai vu celle-là, j'ai fait. Monstera Standleyana variegata. Avec de belles variegations. Hein. On se fout pas de notre tronche. Hein. Donc c'est pas. Alors, normalement, c'est pas une aurea. Mais cette feuille-là, elle me fait me poser la question quand même. Hein. Mais pour moi, c'est une variegata. J'arrive plus à parler. Variegata classique. Bon. Elle va finir sur Twitter. Vous le savez. Je vais la laisser s'adapter à la maison quand même. J'ai vu aussi qu'ici, elle avait été coupée. Et c'est frais. À mon avis, il y a quelqu'un qui s'est servi dans le magasin, qui a fait une bouture dans le magasin. Voilà. Mais j'ai trois lianes. Même quatre. Bref, je suis trop contente. Je vais vous faire un petit zoom. Et ensuite, ah oui, pardon, je vous ai pas dit, je l'ai acheté 25,50 €, ce qui est raisonnable. Et ensuite, vous vous souvenez, la dernière fois, j'y suis allée, et j'ai dit, oh là là, ils sont incroyables, la taille des feuilles. Le philodendron, El Chocored, comme son nom l'indique. Il est étiqueté comme rubris juvénile. Et je l'ai eu à 14,49 €. Non mais. Il rentre pas dans le champ, quoi. Je peux me cacher derrière. Voilà, vous me voyez plus. Non mais. Les feuilles sont quelque peu abîmées. C'est pour ça que je l'ai payé moins cher. Il y en a une nouvelle qui arrive. Là, par exemple, celle-ci, elle est explosée. Je pense que je vais la couper. Celle-là. Regardez, non mais ça peut faire une ombrelle, quoi. Je lui ai déjà trouvé sa place, bien sûr, mais juste pour la vignette. Ou celle-là? L'épaisseur de la catafine, c'est incroyable. Non mais je... Voilà. Je vais vous montrer où je les mets. Je vais les remettre en place et je vous montre. Je vais pas les rempoter, etc. Tout de suite. Parce que on part quelques jours demain. Je sais plus. Ouais, je crois que enfin, dans quel peu de temps. Je sais même plus quand je pars. Et du coup. Je vais le laisser s'adapter, je vais pas le rempoter si je suis pas là et que je sais pas ce qui va se passer. Il a l'air d'avoir soif, mais de toute façon, ça je vais le faire. Je pense que je vais vous faire une vidéo aussi de comment je fais quand je m'en vais. Par contre, il a des espèces d'attaches en métal pour le maintenir sur les tuteurs. J'ai très envie de les enlever parce que ça abîme le pétiole. Mais ça peut faire une super vignette, ça aussi.
Oh, je l'aime. Et pour une fois, c'est pas des Oya. Enfin, pas que. Alors, j'ai mis la Monstera ici. En attendant qu'elle ait quand même pas mal de lumière parce que je serai pas là. À côté de mon Achinanthus. Je vous refais voir les cocottes. Les kikinettes. Les cocottes parce que je viens de regarder une vidéo de cocotte en pot, du coup. Je suis un petit peu matrixée. Et El Choco. Il est à côté de mon SP Columbia. Ici, j'ai juste déplacé mon Verrucosum à côté. Et j'ai mis... Non mais regardez! Ça en impose quand même. C'est trop beau. Trop trop beau. J'essaie de vous montrer. J'adore cet espace. Spécial philo. Il n'y a plus de place par contre. Hein. Et, si, il y a une petite place. Il y a une petite place par là. Alors ça, c'est ma bouteille pour les tuteurs. Ça, c'est mon pchit. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si c'est le cas, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bye!